Hello les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais ouh, je vois que la porte est ouverte. Ouh, c'est pas normal ça. Je vais voir ce qui se passe. Ouh, c'est pas normal ça. En plus, la lumière est déjà allumée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Bah, qui c'est? Clément? Bah, okay. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Je retrouve un abonné dans ma chambre qui regarde des flashs. D'ailleurs, c'est toi qui me les avais vendus. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je vais aller voir comment t'en prenais soin. Oh, bon, bah voilà. Bah, les abonnés débarquent chez moi. Bon, bah écoutez, on balance le jingle. On balance le jingle, c'est parti. J'espère que vous avez apprécié mon super jeu d'acteur. On se retrouve en compagnie de Clément Michel, donc je disais un abonné de la chaîne, un fidèle abonné. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que monsieur m'a fait une belle surprise au cours du mois de mars. J'en ai pas parlé, je sais pas pourquoi, je gardais ça pour moi. Peut-être que j'étais trop gêné, trop humble, mais il m'a fait une belle surprise. Et cette surprise, je l'ai ici. Elle est là. Ma Funko Pop personnalisée. Avec mon nom de youtubeur, hein, Francky vous dit tout. Alors c'est l'ancien logo, c'était l'ancienne bannière, mais que tu as repris, qui est très bien faite. La figurine avec un beau t-shirt. D'ailleurs j'aurais dû mettre le t-shirt pour la vidéo. Je crois que je vais aller le mettre, il est dans le placard, je vais aller le chercher. Ici, ma photo, hein, que tu as prise je ne sais où, sur un réseau social. Une autre face par ici. Non, c'est vraiment bien fait. Franchement, quand j'ai eu ça pour mon anniversaire, j'étais gêné même. J'étais gêné, tellement c'est bien fait. Et même encore en bas, voilà, tu as fait les quatre faces. Et alors l'idée m'est venue, il faut savoir, d'une chaîne de copains que je salue, ça cartonne de leur côté, à savoir la chaîne Mozzi, avec le jeune couple Jérémy et Jess. Ah oui, j'ai déjà vu. Je les salue au passage. Ça t'a dit quelque chose? Oui, c'est un couple. Il a les cheveux longs, la barbe. Exactement. Hein? Elle a les cheveux longs. Il n'y a pas les cheveux longs, lui? Il n'y a pas les cheveux attachés? Non. Bah, excuse-moi, Mozzi. C'est pour ça que je me dois de les citer, parce que comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait. C'est grâce à eux, si j'ai appris à customiser donc, cette petite figurine à l'occasion de l'anniversaire de Francky. Je me suis basé sur une pop déjà existante, donc une pop entière. Parce que la particularité chez Jess et Jérém, c'est que là où va encore plus loin la custom chez eux, c'est qu'ils prennent des fois le corps d'une pop et la tête d'une autre, et ils font fusionner. Ah, ça, c'est pas mal. Dans les retouches. Ça, c'est pas mal. Jess se charge de la peinture, des petits détails, et Jérém est à la boîte, même si ça dépend toujours des personnages. Quant à moi, bah, j'ai un peu tout fait, mais je ne les ai pas aussi bien fait que dans le sens où bah, le packaging, il est vraiment fait maison. Pour ce qui est de la pop donc, qui m'a inspiré, je me suis basé sur le personnage de Bones de la série Star Trek, le plus récent. Et donc, j'ai pas changé grand chose si ce n'est la couleur des cheveux, donc pour correspondre un peu plus à la couleur de Francky. Ils avaient de quelle couleur, lui? Vraiment plus brun, brun clair, enfin. Je sais pas avec qui on pourrait le comparer ici, mais. Regardez, je lui ai pas la petite barbichette, le petit bout. J'avoue que ça, c'est le côté le plus minutieux, entre guillemets. Oui, j'imagine. Alors, tu fais avec un pinceau, c'est ça? Alors, j'ai des pinceaux de plusieurs tailles, de plusieurs grosseurs. Donc, on va dire que les grosses surfaces, je les fais avec un pinceau. Je ne saurais pas te donner les noms exacts, mais c'est les plus épais. Et c'est vraiment, genre, avec les pointes et les plus fins, je viens tapoter. Tout est dans la finesse. Voilà, la minutie. Quant à la tenue, alors je me suis basé effectivement sur une photo qui est sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, mais simplement où tu prenais donc la pose, est-ce que tu peux juste remonter au dos? Voilà, celle-là. Concentrez-vous juste sur la pose du haut de Francky, parce que pour ce qui est du jean et des baskets, c'est pas sur la photo originale. T'as rajouté ça. Ouais. Voilà, pour vraiment faire l'intégralité du corps. Bon boulot. Et donc il prenait la pose et à la base il est en blouson sur la photo. Ah oui, vu que le blouson, ça, il a fallu le retirer. Photoshop et compagnie, les gars. C'est ça. Et je lui ai rajouté, pour ceux qui reconnaissent sur le t-shirt, je vous montrerai d'un peu plus près. C'est pour les plus nostalgiques, le t-shirt de Freakazoid. Ah, c'est que je vais aller chercher pendant que tu expliques qui est Freakazoid. Je t'en prie. Pour ce qui est de Freakazoid, si vous voulez, c'est le super-héros geek. C'est vraiment un super-héros qui a été créé via le monde d'internet. Son influence, c'est toute la pop culture,
Ces gags d'ailleurs sont très référencés. C'est, si vous voulez, c'est de l'ordre où à la télé on diffusait encore les Animaniacs, les vrais sables. Et il est pas beau comme ça? Ah voilà, magnifique. En plus, il est bien taillé, juste bien. C'est un cadeau à part entière, hein. C'est pas le même que sur la boîte, j'ai voulu justement faire le rapprochement. Il a fait les choses à fond. Voilà, le soir où je lui ai présenté sa pomme, je lui ai dit vas-y, mets-toi côte à côte. Je lui ai fait des baskets donc noires et blanches que je suis venu rajouter sur la boîte, donc pris totalement au hasard pour faire des baskets les plus basiques possibles. Et moi je croyais que c'était une paire de claquettes chaussettes. Eh oui, parce que on dirait, hein. On dirait une paire de chaussettes noires avec une paire de claquettes blanches. Exactement, parce qu'on est de la type claquettes chaussettes et... aucun problème avec ça. On est totalement décomplexé. Je me désolidarise. Mais on a. C'était. Voilà, j'ai voulu le faire de plus. Dans son esprit le plus fidèle à Francky. Donc voilà, un peu fait. Geek. Donc, Freakazoid, un super héros geek. Le jean et des baskets qui font certes un peu claquer de chaussettes. Mais Non, mais ça me fait plaisir. Vraiment, ça me touche. Et puis je vais la garder celle-là. Hein. Je vais dans la collection avec les autres. Avec Iron Man, Captain America, Black Panther. Vous aviez eu un petit aperçu, je crois. Oui, j'avais mon chat. Voilà, elle est belle. Voilà. Ouais. Présente bien, non? Ouais. Enfin voilà, je suis assez content et je suis même heureux que la ressemblance n'est plus à ce point. Ouais, ouais. Parce que c'est pas la. Bon, pour la petite histoire, c'est pas la première pop que je fais à l'effigie d'un youtubeur que j'apprécie énormément. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai voulu faire les choses comme il faut et pas apporter une pop, bon, on va dire, entre guillemets, toute faite, mais dans le sens où, bah. Mine de rien, il faut les trouver, hein, les pop que tu n'as pas encore. C'est pas faux. Je me suis dit, il faut marquer le coup, on vient avec une pop totalement exclusive, il n'y a qu'un seul exemplaire, et il est là. Exactement, il est là. Voilà. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Quelque chose d'autre à rajouter? Ouais, je vends une Mini Cooper. Non, je plaisante. Je fais des vidéos imitations, si ça vous intéresse. Voilà, je vous mets le lien en description de sa chaîne YouTube. Hein. Clément Michel Imitateur, non? C'est ça. C'est ça, voilà. Et merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, je t'en prie, ça me fait plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!